Добро пожаловать в мой канал. L'hypothèse a circulé très vite samedi, braquant furtivement les projecteurs nationaux sur la petite commune du Muivar. Mais elle s'est aussitôt dégonflée, ce dimanche, avec la confirmation que le corps sans vie retrouvé la veille en contrebas du rocher de Roquebrunes-Ourargent n'était pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d'avoir abattu son épouse et leurs quatre enfants à Nantes en 2011. Selon nos informations, il s'agirait plutôt de la dépouille d'un randonneur âgé de 26 ans et disparu au mois de mai. Varix DDL, le corps retrouvé dans les pentes rocailleuses du rocher de Roquebrunes 39 et pas celui de Xavier Dupont de Ligonnès, le tueur de sa famille à Nantes, mais celui des 39, un randonneur de 26 ans disparu au mois de mai. Jean-Marc Duco Jean-Marc Duc December 24, 2017 samedi après-midi, ce sont des randonneurs qui exploraient la zone escarpée qui ont découvert le cadavre en état de décomposition à 500 mètres environ au-dessus de la chapelle Notre-Dame de la Roquette, avait rapporté vers matin. Si enquêteurs et observateurs se sont un temps demandé s'il s'agissait de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est parce que ce dernier a été vu pour la dernière fois dans le village de Muy, dont dépend cette zone sous le rocher de Roquebrunes. L'homme recherché avait été filmé par une caméra de surveillance sur le parking du Formule 1, où les enquêteurs savent qu'il a passé la nuit du 14 au 15 avril 2011. C'est là également qu'il a abandonné sa voiture, avant que l'on ne perde sa trace. Lire aussi plus grand que en 2015, un message signé Dupont de Ligonnès.